sommes dans un endroit calme. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas les déranger. Bonjour. Puis-je vous demander ce que vous êtes en train de faire? Une poison du yoga. Et quelle est l'utilité de ce sport? À quoi ça sert? Ce n'est pas un sport, c'est plus comme une activité physique qui englobe un individu dans sa globalité. Eh bien, nous allons vous observer à l'heure. Donc, nous allons commencer par deux postures de base. Bon, pour commencer, la pince. Donc, on va se coucher sur le dos. Avec les pieds joints. Les bras le long du corps. Et les mains sur le côté des cuisses. Ensuite, on va inspirer. Et aller chercher le plus loin possible selon ce qu'on sait faire, soit de vos chevilles, soit de vos orteils. Donc, cette position permet d'assouplir la colonne vertébrale, de guérir de la constipation et de renforcer les muscles abdominaux. On va faire triangle. On va écarter les jambes, puis on va mettre nos bras horizontalement dans l'alignement des épaules. Ensuite, on va inspirer et avec notre main droite, on va chercher notre jambe gauche. Permet de guérir des troubles urinaires, renforce la ceinture abdominale, affine la taille et élimine les graisses. Et pour finir, nous allons faire une position intermédiaire. Elle a pour nom le bateau. Nous allons partir allongé. Ensuite, on va lever les bras et les jambes parallèlement en inspirant de façon à ce que notre corps forme un angle de plus ou moins 90 degrés. Le bateau permet de régulariser toutes les fonctions digestives, surtout celles de l'estomac, et d'éviter les ballonnements abdominaux. Selon vous, quels sont les bienfaits du yoga? Le yoga apporte des bienfaits physiques, car certaines postures demandent de la souplesse, un bon équilibre et des forces. Mental, parce qu'il faut beaucoup de concentration. Et enfin, des bienfaits émotionnels, parce que le yoga amène de la relaxation et de l'apaisement. Pourquoi pratiquez-vous le yoga? Personnellement, le yoga m'apaise beaucoup. Quand j'en pratique, j'oublie tous mes problèmes, je ne pense plus à rien. Pourquoi pratiquez-vous le yoga? En faisant du yoga, je me vide la tête. Et même certaines positions sont plus physiques que d'autres, ça m'apaise. D'accord. En conclusion, nous pouvons dire que le yoga apporte aussi bien des bienfaits physiques, mentaux qu'émotionnels. Et n'oubliez pas, vous en avez marre du bruit? Trop de stress? Trop de tracas? Venez au yoga!